Yo les gars, avant que la vidéo commence, petit message d'annonce pour vous dire que le groupe qui s'appelle Red Dead Redemption 2 Vince Gang a été créé, le lien se trouve en description, c'est un groupe Facebook qui a pour but justement d'apporter de l'aide à tous les joueurs, de partager des astuces, des tutos, si vous avez des problèmes différents sur le jeu, que vous êtes bloqué, bref, qu'importe, c'est un groupe qui est... Entièrement basé sur Red Dead Redemption 2, tous les univers, que ce soit le multijoueur ou le solo, vous pourrez poster n'importe quel message à condition, bien évidemment, de respecter les règles du groupe qui sont très faciles d'accès. Merci à toutes les personnes qui vont le rejoindre et pour mes réseaux sociaux, tous les liens se trouvent également en description ainsi que le groupe. Merci à vous tous, bonne vidéo. Yo les gars, vous allez bien, encore bienvenue bien, tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Prendre soin de son cheval, qu'est-ce que c'est important? Mettez un petit like les potes pour mon, ch mon cheval, mon dada comme je l'appelle souvent, je l'appelle mon dada. Faire un don, rappelez-vous, c'est la mascotte de cette chaîne. La chaîne Vince, son cheval s'appelle Faire un don. C'est un Mustang gris, il est magnifique. On l'a chopé ensemble en vidéo. Après des mois de demandes des abonnés, d'ailleurs, il y a encore beaucoup de personnes qui me demandent à chacune des vidéos, c'est quoi mon cheval C'est un truc de ouf. Je crois que dans mon intro, je vais le mettre. Cheval Mustang. C'est un Mustang pour toutes les personnes qui me posent la question. Et d'ailleurs, je remercie les abonnés qui eux, ils répondent en commentaire parce qu'il y a beaucoup d'abonnés. Et un grand merci à vous qui me suivent attentivement chacune de mes vidéos. Et du coup, bah ils répondent aux commentaires à ma place. Du coup, bah c'est vraiment très sympa de votre part, vous n'êtes pas obligé de le faire et certains le font. Donc un grand merci à vous les potes. Donc on est parti aujourd'hui pour aller justement découvrir un petit endroit vraiment très sympa pour le coup que je n'ai jamais vu. Et c'est un ami à moi, enfin un poteau. on est tous des potes d'ailleurs, hein, sur Instagram qui me l'a envoyé, donc c'est Maxime, un abonné. Un grand merci à toi, alors peut-être que cet endroit a déjà été découvert autre part hein, sur internet, hein, j'ai pas la prétention de dire que je suis le premier ou quoi que ce soit. J'en ai rien à faire, le principal aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est d'aller le voir, étant donné que euh, je sais où c'est, j'ai regardé, j'ai vu la grotte où est-ce qu'elle était, mais je n'ai pas pénétré à l'intérieur. Donc on est parti pour cette vidéo, et je vous le rappelle aussi c'est très important pour les personnes qui me suivent très souvent, il y a mes, mes liens de mes réseaux sociaux en description, tout est présent en description, et toutes les personnes qui me demandent si j'ai Discord, je n'ai plus le serveur Discord, j'ai préféré le dissoudre plutôt que de continuer parce que ça devenait l'anarchie. C'était n'importe quoi, je suis pas quelqu'un qui suis du tout actif sur Discord, du coup j'ai préféré euh, le supprimer, on n'était pas non plus si énormément que ça dessus, donc je m'excuse quand même pour les personnes qui étaient dessus et qui du jour au lendemain n'ont pas trop compris pourquoi. J'aurais dû faire une annonce du moins on va dire sur l'onglet communauté de la chaîne. Mais je voulais pas que ça crée un quiproquo énorme entre les personnes qui, qui se demandent Ah t'avais un Discord, est-ce que je peux rentrer dedans Ah pourquoi tu l'as supprimé Ah moi j'étais dedans, tu vois, je voulais pas vraiment que ça fasse un, un gros un gros débat on va dire dans le fond un peu inutile. Donc, juste, je le dis pour les personnes qui étaient sur le Discord, il n'y en a plus, j'ai préféré me rabattre uniquement sur mes réseaux sociaux que j'ai actuellement, qui s'affichent à l'écran et qui sont en description. Parce que sur eux, je suis actif, je regarde très souvent. Et d'ailleurs, un gros merci, un gros GG au modérateur du groupe Vince, euh, Red Dead Redemption 2, Vince Gang, qui tous les jours, le groupe euh, Facebook continue de s'accroître, de grandir. Donc, un gros merci aux personnes qui le rejoignent chaque jour et un grand merci au modérateur qui s'en occupe avec une très grande attention. Donc, vraiment, les potes, un gros merci à vous. Et n'oubliez pas, je le demande pas souvent au début de vidéo mais le petit like qui fait très plaisir ça ne demande rien, je vous le demande pas souvent, je vous le demande même très rarement, j'aime pas ait des likes, mais juste si as envie, un petit like de temps en temps, voilà, ça fait plaisir tout simplement. Alors maintenant on est parti les potes après ce blabla d'une demi-heure inutile, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. On est parti pour aller découvrir cet endroit. Donc je vais vous montrer après où ça se trouve sur la map. Je vais même vous montrer maintenant, comment ça sera fait. On va pas se prendre la tête. Donc c'est juste ici, au-dessus du fort Wallace. Donc il suffit de monter par là, de passer ici, boum boum. Hop, tu montes la montagne à cheval et t'arrives là où je suis actuellement sur la map. Et du coup, on va aller voir cet endroit. Je suis passé ici, mais bah, quand même pas mal de fois quand je cherchais les ossements de dinosaures et toutes ces choses-là. Et euh, sur mon ancienne game, enfin sur mon autre partie que j'ai toujours, hein, bien évidemment, mais pas sur cette nouvelle là. Et j'ai dû passer ici au moins mais 35 fois, 40 fois, et mais, toujours comme un abruti, je passe devant. Mais on a l'impression qu'on joue. Des moments, on se demande sérieusement. Même moi, je me demande. Je me demande si je ne joue pas aux yeux, aux jeux, pardon, les yeux fermés. Tellement Cet endroit là, qui pourtant tu vois, je kiffe, tu vois, c'est un truc de ouf, un endroit comme ça. Et eh ben non, je suis passé là, ce chemin là, je l'ai fait 200 fois, tu vois. Et chaque fois, le mec il passe, c'est comme si tu marches dans la rue, il y a un billet de 500 euros par terre, tu marches dessus, tu sens que ton pied il glisse sur un truc qui, qui n'est pas du béton, mais t'es pas foutu de, de comprendre qu'il y a un billet de 500 par terre. Bah, c'est pareil, je suis nul, mais nul à un truc de ouf, quoi. Donc, regardez un petit peu cet endroit. Déjà, quand tu vois ça, tu te dis, oh. On va passer un bon moment. Sincèrement, moi, ce genre d'endroit, j'adore. C'est mon rêve dans la vie de tous les jours de, de me balader comme ça et de tomber sur ça. Ça serait vraiment un truc de ouf. Alors, hop, on va prendre la lanterne. Je suis un peu pas excité, tu vois, parce que j'ai pas non plus euh, deux ans et demi, tu vois. Mais euh, j'aime bien ce genre d'endroit. J'espère que c'est profond, un truc de ouf. Que genre, ça fait 2000 km. Oh non, c'est pas aussi. Pro... Oh non Par contre, il y a un truc de gravé sur le mur là. C'est quoi GRID IS NOAH VIRTUE Je sais que c'est un code triche, hein. donc attendez on va faire un truc Je me recule sur mon siège, ma voix s'éloigne, je prends mon téléphone qui est en charge Et maintenant on est parti Allons voir tout ça sur le monde de l'internet Alors Google Traduction mon ami, et on va taper ça ensemble en vidéo Comme ça tu vois on va voir directement la confirmation Donc hop, GRID, euh, NOAH quelque chose Et V -I -R -T -U -E. Donc euh, avidité noda vertu. Non, c'est noa. Non, j'ai tapé no. Attends, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Hein. La cupidité maintenant une vertu. Peut-être que ça veut dire ça, voilà, no R Virtue, ouais, d'accord. La cupidité, maintenant une vertu. Donc c'est un code triche que vous pouvez rentrer d'ailleurs juste ici, je vais vous le montrer. Vous faites start et vous allez dans paramètres. Et là regardez avec en bas de l'écran, je vous fais un petit zoom, c'est marqué code triche, donc moi Y, puisque je suis un joueur Xbox One. Pour les joueurs euh, PlayStation, ça sera donc euh, triangle. Et vous faites ça, et vous rentrez justement le code triche. Qui d'ailleurs on va le rentrer. Euh, J'ai pas de sauvegarde auto, donc euh, faut, je pense surtout à ne pas sauvegarder, parce que sinon je, je, me, je me flingue tout seul. Entrez un code triche. J'espère qu'il ne faut pas obligatoirement avoir... Euh, trouver justement enfin euh, du moins acheter certains numéros de, de journal dans le jeu donc up no on va voir ce que ça fait je sais pas euh, à quoi ça peut servir à ah, vertu on va le taper en vidéo hein, c'est le meilleur moyen je vous conseille de ne pas avoir de sauvegarde auto quand vous faites ça parce que sinon ça ça peut vous flinguer tout tout va vous avez saisi un code de triche invalide what the fuck mais il est pas invalide euh... Attends, 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 et le jeu il me fait douter là. Je suis pas assez intelligent pour taper un code de, de triche comme ça. Ah ouais, non, mais j'ai oublié le is. Mais oui, je suis pas assez intelligent pour faire ça. Voilà, la cupidité est maintenant une vertu. Ok. Donc cette fois-ci, on va le taper correctement. On refait le même procédé code triche. Donc beaucoup de personnes à chaque fois m'envoient des messages sur mes réseaux sociaux pour justement euh, des, 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 on va dire, des phrases comme ça qui trouvent un peu n'importe où aux quatre coins de la map. Hein. Sachez les potes que euh, c'est tout le temps des, des codes triches en fait. Rockstar s'amuse à cacher des codes triches comme ça, et d'ailleurs c'est très bien parce qu'on va dire que tu peux t'amuser quand tu les trouves à les noter pourquoi pas sur un petit calepin ou même pourquoi pas dans ton jeu hein, si tu souhaites les sauvegarder. Vous avez déverrouillé un, une triche avec succès. Ok, et c'est quoi Elle sert à quoi la, la, la triche en fait Ah ça m'a donné 500$ C'est cool en activant. Oh moi la thune Je deviens millionnaire en vidéo frère. Attends, je vais monter à combien Ah oh, c'est énorme. Bon par contre. Hein, euh, J'espère que j'ai pas de sauvegarde. Non, 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 j'ai pas de sauvegarde normalement. 26 000 dollars. Wow. J'avoue que la code triche est bien juste pour ça. Je vous conseille de faire une game sans sauvegarde automatique. Comme ça, vous pouvez vous amuser à acheter n'importe quoi. Bon bah, après si vous en foutez des succès. de Toutes les choses comme ça, vous pouvez monter. Attends, on va peut-être On va essayer de monter à 100 000 dollars. Ça peut être un truc de ouf quand même. 100 000 dollars. Imagine, au temps des westerns, t'as 100 000 dollars, mon ami. C'est un truc de dingue. Hein. En vrai, t'étais le roi de la station comme jamais personne ne l'a jamais été auparavant, limite, tu vois. 100 000 dollars à cette époque, c'était. en euh... enfin, même maintenant, c'est déjà une très belle somme. Mais voilà, c'est plus non plus un truc de ouf, euh, non plus. Voilà, je suis d'accord que euh, je cracherai pas sur 100 000 euros maintenant, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, voilà, maintenant, il y, y a des gens. 100 cent mille euros, tu vois, euh, c'est une somme qui, c'est vrai que c'est ouf, mais c'est encore, on va dire, abordable pour une certaine catégorie de personnes. Bon, je comprends bien qu'il y a des personnes qui n'auront malheureusement jamais cette somme-là, mais euh, voilà. À cette époque, enfin à l'époque-là d'avant, je pense que c'était encore un truc un peu plus de ouf. Mais voilà, on va dire pour garder les choses euh, claires et nos esprits clairs et ne pas avoir de, de messages en commentaire qui me mettent ouais douze cent mille euros, c'est une, une somme facile à avoir. Ça dépend des catégories, même si j'aime pas dire ce mot, mais. mais... Il est comme ça, tu vois, ça dépend justement des moyens, entre guillemets, tu vois, pour justement dire que cette somme est une réelle somme ou pas, tu vois. Mais bon, on ne cracherait pas sur 100 000 euros, mon ami. Hein. On va peut-être se même faire 200 000 et après 200 000, on arrête, tu vois, on va essayer d'appuyer un peu plus vite sur le bouton. Hop, euh, 197, 18, 19, et voilà, on va même faire un petit peu plus, voilà. On s'est ajouté 200 000. Putain, on va voir, je vais avoir 200 000. Euh... Oh, regarde le compteur là-haut, comment il bug! Oh là là 203 768 dollars et 20 cents mon pote oh, Je suis le roi de la station C'est énorme quand même d'avoir autant de pognon par contre je sais pas quoi en faire Mais euh, je pense pas sauvegarder mais bon Au bon, moins voilà vous pouvez le faire Donc je me demande à quoi pouvait bien servir cet endroit C'est un endroit qui peut être cool si vous voulez venir ici avec vos potes pourquoi pas Et si vous voulez vous faire de l'argent comme ça au moins vous avez le code triche et je vous conseille surtout de, de bien faire ça les amis hein. Vous faites euh, paramètres et il me semble que c'est. Euh, en général, je crois, non La sauvegarde auto pour l'enlever. Voilà. Sauvegarde automatique. Donc, moi, non. Hein. Elle est bien, euh, justement, euh, désactivée. Donc, voilà. Faites bien ça. Et une fois que vous faites, surtout. Euh, une, fois, une fois que vous allez enlever la sauvegarde automatique, le jeu va vous demander que vous voulez bien faire ça. Vous faites oui. Et comme ça, on va dire que. Euh, vous, ça peut, justement, vous. Vous permettre, en fait, de ne pas perdre. Ou même de bloquer des succès. Ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est une bonne chose. Comme ça, au moins, maintenant, vous savez où est le code. Pour avoir. Euh, énormément d'argent et peut-être que je sais pas si peut-être que je vais sauvegarder parce qu'à limite je suis pas un gros joueur de succès mais j'avoue que pour le beau jeu et pour le fair play je vais peut-être préférer justement euh, bah ne pas sauvegarder justement donc après par contre pour descendre je pense que ça va être un peu la merde je pense que ça va être un peu la merde c'est con qu'il n'y a pas un autre endroit comme ça à côté attendez on va essayer de continuer par là de monter de voir ce qu'il y a se sont compter peut-être qu'il y a un endroit à peu près similaire hein. on sait pas hein. Honnêtement, j'ai vraiment mais pourquoi je me trimballe avec une lampe, il fait jour mais tu si sais, je vois à... à des kilomètres devant moi et je garde la lampe comme ça à la main comme un comme un je sais pas, un... un malade le mec n'importe quoi quoi. Le mec il est juste bête quoi tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, il est bête quoi. Donc non, il y a pas il y a pas grand chose de ouf dans le coin. Même si là-bas j'ai vu une petite cabane mais je sais pas si c'est une cabane qui a looté ou si c'est un truc en rapport avec les lignes de chemin de fer, ouais. Je pense que c'est juste un truc qui a un rapport avec la ligne de chemin de fer. Est-ce qu'on se ferait pas un plongeon de l'extrême pour la fin de vidéo Est-ce que ça peut être cool ou pas Est-ce que ça peut être... Ah ouais ça peut être vraiment énorme hein. Pour le coup, faut pas avoir le vertige là. Ah ouais 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 ouais. Attendez, je vais essayer de bien sauter au milieu où il y a de la profondeur. Voir ce qui se passe en fait, jamais essayer. Voir si je vais mourir ou pas. Allez vas-y, c'est parti. Wow 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 ah ouais, on meurt direct, hein. Mais En même temps, c'est la vitesse à laquelle je tombe. Là, le, la flotte, enfin, c'est limite, c'est un mur, tu vois. Incroyable. Mais bon. C'est dommage qu'on puisse pas faire un plongeon à la GTA, tu vois, en mode, tu vois, en bouteille, tu vois, en plonge comme ça. bouffe Donc c'est tout pour moi les potes. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que vous ne connaissez pas cet endroit-là. En tout cas, moi, je le connaissais pas. Et je remercie l'abonné Maxime encore une nouvelle fois. Tous les liens de mes réseaux sociaux des potes sont en description. Je vous dis à très bientôt les amis pour une toute nouvelle vidéo. C'était Vince. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire si vous allez faire ou non le code triche dans, dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez même, pourquoi pas, déjà utilisé ou non les codes triches Et surtout, beaucoup de personnes m'en avaient déjà demandé il y a des stades des cela... enfin, il y, y a des stats, des cela... il y a des de, de, j'arriverai pas à le dire. Il y, de... <coughs> y a pas mal de temps, beaucoup de personnes me l'avaient demandé pardon. est-ce que ça vous intéresse ou non que je fasse une vidéo sur les codes triches du jeu Parce que, à une époque, les gens voulaient que je le fasse, donc je sais pas, est-ce que c'est toujours d'actualité ou non C'est à vous de me le dire, les personnes qui seront encore en train de regarder cette vidéo actuellement. N'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire, c'est tout pour moi, j'ai assez blablaté, je ferme ma bouche à l'épice les gens.